Bonjour Monsieur Tuambi, président du club sportif Salawit de motocross et vice-président de la Fédération royale marocaine de moto. Donc, nous avons ici une compétition de championnat du Maroc qui sera lieu ici à la zone industrielle à Salé, route de Meknès. Donc, c'est une compétition qui regroupera tous les clubs qui sont affiliés à la Fédération royale marocaine de motocyclisme, ce qui concerne les pilotes de toutes catégories, 50 cc, 4, 65, 85, 125, 250 et 450 cm3. Donc, cette manifestation sportif sera organisé avec l'ASSM et avec la participation des champions qui sera présent. C'est des Espagnols et des Français qui pratiquent dans leur pays et ça sera l'honneur de le faire courir avec des Marocains pour augmenter le niveau des pilotes marocains et ça rentre dans le cadre de évoluer ce sport au Maroc. Donc, cette compétition sera pratiquée dans un circuit dans les normes internationales de 1600 mètres. C'est un circuit fermé, c'est un circuit très technique et en même temps, c'est un circuit mixte, c'est un circuit sableux et dur en même temps. C'est un circuit qui entre dans les techniques internationales pour augmenter le niveau des pilotes. Et donc, il contient 14 tremplins avec des réceptions bien équilibrées et bien étudiées. Donc, ce circuit parmi les meilleurs circuits au Maroc. C'est le premier, on dira, que le circuit marocain. C'est un circuit qui était homologué par. C'est un entraîneur suisse, c'est lui qui a fait le tracé. Donc, c'est un circuit qui est intéressé pour les pilotes marocains et pour les Espagnols, les Français, ils adorent courir dans ce circuit. Donc, ça fait plaisir d'avoir des pilotes étrangers participer dans ce circuit pour donner une image sur le sport mécanique au Maroc et surtout le sport de moto.